de le partager en deux, vu le volume de choses qu'il faut voir. Donc, nous avons réparti en deux. Donc, une première partie va être assurée par moi-même et la deuxième partie, elle sera, la suite sera, c'est la vision artificielle. Ça sera en S2, Inch'Allah, en M2, en S2 du M1. Voilà. OK. Donc, aujourd'hui, sans tarder, vous voyez mon partage? Est-ce que vous voyez mon partage? D'accord. OK. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer dans les techniques de base du traitement d'image. Donc, je resitue toujours les choses pour bien comprendre. C'est-à-dire, je vais resituer les choses. Donc, on pourra dire que, c'est-à-dire, si vous voulez, la frontière entre traitement d'image et vision est très difficile. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une frontière comme ça, claire et nette. Mais bon, les gens ont essayé de faire quand même une frontière. Donc, excusez-moi. Voilà, il m'énerve. Voilà. Donc, nous avons le bas niveau, ce que nous appelons le bas niveau, et surtout qui consiste, c'est lequel dans lequel on applique les procédures et les processus de traitement d'image, et qui consiste en quoi? Oui. Ah oui, ok. Et comme ça? Parce que je laisse de la place pour voir s'il y a des questions, etc. C'est-à-dire, j'ai partagé mon écran. Est-ce que c'est mieux? Voilà, merci. Ok, pas de problème. Donc, j'ai dit, la frontière était difficile entre traitement d'image et vision. Parce qu'il y a des parties, les gens vous disent, non, 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 c'est de... Ceci, cela. Et je vais en parler maintenant. Si vous m'interrompez à chaque fois comme ça. C'est pas évident. Alors, la répartition de David Ma et beaucoup aussi de chercheurs en vision artificielle et en traitement d'image, c'est-à-dire on applique le bas niveau, c'est par rapport aux images après une acquisition. On parle de bas niveau par rapport à l'acquisition, à la transmission et la compréhension, à la restauration. Et le rehaussement, c'est-à-dire là où on fait de la super résolution des fois on a, et tout, à la détection de contours, à la segmentation et au suivi des formes. Déjà, segmentation, suivi des formes, beaucoup de personnes les placent dans l'analyse. Vous allez trouver des partages où les gens les classent l'analyse, la segmentation. Il y a d'autres qui vous disent non, la segmentation et le suivi des formes, c'est toujours du bas niveau. Ensuite, il y a le haut niveau, c'est la stéréovision. C'est la reconnaissance des formes et c'est la compréhension de l'image. Tout ça, vous allez le voir en S2. Inch'Allah, nous, on va se contenter de voir, on va s'arrêter à la segmentation sur S1. Alors, donc ce cours, il décrit le processus qui permet d'obtenir une image, d'accord, à deux chapitres, sa forme et sa numérisation par un dispositif d'acquisition. On verra aussi les différentes représentations informatiques qui vont permettre de traiter l'image. Et il détaille ensuite les transformations qui peuvent être appliquées à l'image en vue de l'améliorer ou de corriger ses défauts. Alors, les applications liées à l'imagerie numérique et au multimédia, vous savez très bien, sont en forte progression dans beaucoup de secteurs, surtout ces dernières années, en biomédical, notamment, dans l'identification des personnes par imagerie, la visualisation des phénomènes complexes, par exemple par la réalité virtuelle. Par exemple, ceux qui veulent faire en médecine, imiter par exemple le geste échographique, au lieu d'avoir des patients et que les étudiants apprennent sur ça, et c'est pas embêtant, et c'est embêtant, il faudrait qu'il y ait toujours un médecin et qu'il y ait un malade. Maintenant, on fait des trucs par rapport même aux actes chirurgicaux, grâce à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, on fait plein de choses, des petites applications où les étudiants en profitent énormément. Il y a la synthèse d'images aussi dont nous avons parlé, il y a les jeux, etc. Donc, le traitement d'images regroupe quoi? L'ensemble des processus visant à améliorer les caractéristiques d'une image. Améliorer, d'accord? Pas vraiment corriger à 100%. Juste des améliorations. Et vous allez voir ça quand on fera des TP. Donc, le but du traitement d'image, c'est quoi? C'est de transformer les images numériques, d'accord? C'est-à-dire quoi? Modifier visuellement l'aspect, visuellement, je dis bien, visuellement, pour qu'on ait un rendu visuel meilleur, d'accord?
Et cela se fait par ou bien la restauration, comme je vous ai dit, par exemple, dans les vieux films où il y a des taches ou des trucs comme ça, les anciennes bandes de films, etc. Tout le monde veut les voir en couleur, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent, des thèses carrément de doctorat qui travaillent sur la restauration. Il y a aussi l'aspect amélioration. Et la fois passée, j'ai dit qu'il y avait une différence entre restauration et amélioration. Ce n'est pas du tout la même chose, même si, de point de vue français, on a l'impression que c'est la même chose. Ensuite, aussi l'extraction des contours et des primitives. Parce que quand on fait de l'extraction des contours, déjà on montre un petit peu la forme et on montre un peu la forme des objets dans une image. Donc ça, c'est les différentes transformations. Ceci aussi va non seulement donc modifier visuellement de l'aspect, mais permettra aussi l'analyse d'image. Si moi j'arrive à dégager des contours bien fermés, etc. Donc je pourrais dire que je pourrais délimiter en région, je pourrais segmenter, je pourrais montrer les objets, je pourrais montrer, quand je dis objet, ça peut être une personne, ça peut être des objets de la vie courante dans une scène, etc. Donc je pourrais facilement faire de l'analyse d'image, c'est-à-dire de la compréhension, reconnaissance des formes, etc. OK. Donc là, je me répète un peu, bon, il y a eu un, etc. Cette expansion s'explique par la difficulté du domaine. Il y a la complexité algorithmique. C'est-à-dire quand on parle de traitement d'image et d'analyse d'image, on parle de complexité algorithmique due aux énormes volumes de données. C'est vrai que quand on a une image, on a beaucoup d'informations pertinentes et non pertinentes. Et des fois, faire la part des choses n'est pas évidente. Donc, il est même programmé, c'est-à-dire trouver des algorithmes et tout, dont la complexité linéaire ou simple n'est pas évident. Des fois, le problème, il est mal posé. Mal posé, pourquoi? Parce que des fois, on ne sait pas quand on fait. Déjà, il y a je peux vous citer, par exemple, quand on a une scène, on veut savoir ce qui se passe. Déjà, scientifiquement, il y a des gens qui vous disent compréhension d'image. Je veux comprendre ce qui se passe dans l'image. Donc, c'est un peu le thème image understanding. Des fois, non, je trouve que non, ce n'est pas la compréhension d'image, mais c'est l'interprétation d'image. Donc, vous voyez, c'est des choses différentes, etc. D'accord? Mais qui sont confuses pour la femme. Donc, des fois, le problème, il est mal posé par rapport à ça. Difficulté à formaliser aussi, bien sûr, une faculté biologique qui est évidente. Pour nous, c'est clair, c'est simple. Je vous montre une scène, vous allez me dire, il y a ceci, cela, etc. Mais un ordinateur, pour lui, ça sera, et ce n'est pas évident de différencier des objets qui se ressemblent énormément, ou bien une salle de cours et une salle de cinéma, parce qu'il y a des chaises, il y a un tableau, plutôt pas un tableau, mais un tableau blanc, là. Ça, c'est quand on fait de la rétroprojection, etc. Donc, ce n'est pas évident. Ce qui est évident pour l'être humain ne l'est pas forcément pour la machine. Donc là aussi, c'est des répétitions pour dire que il y a beaucoup d'activités et c'est pour ça que le traitement d'image est très important. Je passe directement donc au vif du sujet. C'est quoi une image? Une image pour nous, avant tout, est un signal. Une image, c'est un signal. C'est un signal même analogique. Qui dit signal analogique, ça veut dire c'est des sinusoïdes. D'accord? C'est des sinus et des cosinus. D'accord? Donc là, déjà, une image, c'est avant tout un signal. Tout comme le son, c'est un signal. Souvent, cette image, elle représente une réalité 3D. D'accord? Qu'est-ce qu'elle capte, cette image? Elle capte, elle qui est 2D, elle capte une réalité 3D. Déjà, là, ça commence. On a perdu déjà une troisième dimension. Du point de vue mathématique, une image, c'est quoi? C'est une matrice. C'est une matrice dans laquelle il y a des nombres. Et ces nombres, ils représentent ou bien des niveaux de gris ou bien la couleur. Et bien sûr, plusieurs outils permettent de manipuler cela. Mais de point de vue humain, une image, non, ce n'est pas des valeurs, ce n'est pas un signal, d'accord? Mais c'est quelque chose de sémantique. C'est quelque chose qui a un sens. C'est des informations sémantiques. Ah, c'est une chaise. Ah, c'est un chien. Ah, c'est un être humain. D'accord? Il faut donc interpréter le contenu au-delà de la valeur des nombres. Là, je vous montre déjà une image sur plusieurs, si vous voulez, plusieurs vues. C'est un signal, elle représente une réalité, c'est une matrice, tout ça c'est une image, oui, tout ça c'est une image. C'est des informations sémantiques, d'accord? Donc, tout dépendra là où on se situe pour pouvoir faire des choses sur des images. OK? Alors, une image, donc, c'est une fonction qui associe en un point donné une valeur, niveau de gris, qui dépend de la quantité de lumière.
Revenons un peu à la au premier cours où on s'est dit, parce que dans le temps, les gens ont pensé que les yeux, c'était eux qui faisaient tout, mais on s'est rendu compte que les yeux n'étaient qu'un capteur, comme une caméra. C'était l'être, c'est le cerveau humain qui faisait, indique la perception. Donc, la quantité de lumière pour tout X de l'image. L'image analogique obtenue par le système d'acquisition ne peut être stockée. Là, on est d'accord. Un signal analogique, c'est un signal continu. Qui est formé de sinusoïdes. D'accord. Il est continu. Il contient une infinité de points. D'accord. Moi, je ne peux pas stocker tout ça. D'accord. Donc, alors que nous, on se dit non, nous informaticiens, une image, c'est une matrice. Donc, vous allez voir que le passage de l'analogique à la matrice, ça s'appelle un échantillonnage plus une quantification. Donc, nous voulons bien représenter une image par une matrice, une image numérique, d'accord, où chaque intersection d'une ligne et d'une colonne va dénoter, ça représentera un pixel qui va être représenté par le niveau de gris. Bien sûr, nous verrons que les images couleurs vont être représentées par plusieurs valeurs autres que le niveau de gris. D'accord? Alors, définition et représentation de l'image. Une image, c'est-à-dire un seul niveau de gris, ça va être un octet, ça va être 8 bits. Par convention, nous décidons que le noir c'est le 0 et que le blanc c'est le 255. Et tout ce qui est entre le 0 et 255, on les appelle les niveaux de gris. Si c'est des images couleurs, nous avons par contre 3 octets. D'accord? 3 octets pour chaque canal, le rouge, le vert et le bleu, nous avons un octet. Donc, on reviendra là-dessus qu'une définition de représentation de l'image, c'est toujours trois matrices, dont la somme, pixel à pixel ou bien position à position, nous donnera la couleur de l'objet ou bien de la chose que nous cherchons. Nous reviendrons sur tout un chapitre sur les couleurs. Bon, à la fin de, pas un chapitre, mais sur les couleurs. Alors, on va commencer donc, on a défini une image. Jusqu'à présent, je crois qu'on a une image, c'est un signal analogique. Nous voulons qui traduit une réalité. Mais nous voulons le stocker. Pourquoi nous voulons le stocker? C'est pour le traiter, pour extraire des informations. Commençons par le commencement, l'acquisition d'une image. Comment se fait l'acquisition d'une image? L'acquisition d'une image se fait selon plusieurs sources. Il n'y a pas que l'image numérique qui nous intéresse. D'accord? Il y a les rayons X, il y a les UV, il y a les images satellitaires, etc. D'accord? Donc, pour l'acquisition d'une image, on utilise des capteurs selon l'application désirée. Il y a l'application spatiale, donc c'est des satellites qui prennent les images. Application avec grande précision, c'est les CCD, d'accord? Les caméras CCD. Application avec précision, bon, on disait non exigé, mais je pense avec les iPhones qu'il y a maintenant et tout, je pense que la précision, elle est bonne, donc les webcams. Donc, nous pouvons aussi avoir des images à partir de caméras fixes, à partir de caméras en mouvement, et ça fait toute une différence, hein, que vous verrez en S2, d'accord? Donc voilà une webcam, un téléphone. Il existe d'autres capteurs, notamment dans le domaine médical, comme l'IRM, la tomographie. Tomographie, c'est les rayons X, et l'IRM, c'est les ondes, etc., etc. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Vous êtes invité à poser vos questions, hein, et m'arrêter à chaque fois que c'est pas clair. D'accord? Ou bien m'envoyer une question dans le chat. Alors là, je me suis, vous avez dit qu'on allait les voir en instant de ça. Non, j'ai pas bien saisi. Vous avez mentionné le concept qu'on allait voir en instant de ça. Non, c'est-à-dire ce que nous allons étudier dans ce chapitre. Mais bon, comme je vous ai dit, bon, j'ai un peu extrapolé qu'en disant que vous allez voir qu'il y a une différence entre caméra fixe et caméra en mouvement quand vous allez faire, ça veut dire, disons, la calibration, etc. En prochain semestre. Voilà. Ah, du coup, on la découvrira en prochaine J'avais dit ça quand je commençais aujourd'hui le cours, je l'avais dit même la fois passée. Je vous ai dit que ce module. Ah non, non, non. Oh non, je confonds, pardon, je semaine. confonds avec le M1. Oui. Thomas, vous êtes Oui. M2. C'est vrai que pour le M1, on l'a éclaté en deux. Donc là, on va devoir tout faire le module. C'est pour ça que je vais rapidement, pardon, parce que je prends les deux, je suis chargée de cours des deux,
des deux modules. Donc, hier, j'ai enseigné l'autre module. Donc, voilà, ça, c'est un peu confus. Non, vous, c'est vrai. Le module, justement, il est surchargé un tout petit peu. C'est pour ça que nous avons décidé de l'éclater en deux parties. On l'a éclaté en deux parties. Pour les Master 1, la nouvelle promo, ils l'ont en deux parties. On est en première année, en M1 et en deux semestres. D'accord. Vous, vous allez voir qu'on va passer rapidement sur... sur pas mal de choses, parce qu'on n'a pas le temps de... Mais bien sûr, on n'a pas su ça du premier coup. C'est-à-dire, après quelques années, de... on a décidé de faire ça. D'accord. Merci de m'avoir, comment dirais-je, me rappeler à l'ordre, là. D'accord. OK. Alors, toujours pour l'acquisition d'une image... Il y a ce que nous appelons les images naturelles et les images artificielles. Les images naturelles, c'est tout ce que, comme je vous avais dit, c'est des images que nous obtenons de caméra, de microscope, de l'infrarouge, de satellite, tomographie. Mais il y a là où on fabrique des images. Ça veut dire, là, vous le faites dans le module synthèse d'images. Et ça, c'est fait pour le cinéma, pour la réalité virtuelle, etc., la synthèse d'images et tout. Donc, voilà l'exemple pour des films, etc. Alors, toujours dans l'acquisition, nous allons... voir comment se fait l'acquisition. Donc, il y a un capteur qui est constitué d'un dispositif. Un capteur, c'est celui qui capte. D'accord. Et j'ai dit qu'on pouvait avoir plusieurs types de capteurs. Webcam, téléphone, Kinect, etc. D'accord. Un capteur, donc, c'est un dispositif optique dans lequel il y a un système de transfert d'énergie lumineuse en énergie électrique et une carte pour échantillonnage du signal vidéo, c'est-à-dire numérisation et mémorisation. Ça veut dire quoi ? Juste pour Hnaya, moi je l'ai appris, c'est-à-dire beaucoup de gens pensent qu'un capteur numérique, il capte directement une image discréditée, alors que ce n'est pas vrai. Même un capteur numérique, il capte une image analogique, et à l'intérieur de ces capteurs numériques, il y a une carte qui fait l'échantillonnage pour rendre le signal numérique. C'est pour ça que j'ai fait là comme remarque, comme quoi tous les capteurs sont analogiques. D'accord ? Les problèmes d'acquisition, donc le changement de point de vue, le faible problème, c'est-à-dire de la luminosité, si elle est faible ou pas, le changement entre jour et nuit, l'acquisition ne se fait pas de la même manière, l'ombre, le changement de couleur, le fait d'avoir des caméras en mouvement, le fait d'avoir un arrière-plan complexe, donc tout ça, ça rentre dans les problèmes de l'acquisition. C'est-à-dire, la première étape que les gens essayent de bien faire et tout, c'est quand même l'acquisition, parce que c'est là qu'on a le bruit, c'est là qu'on a un mauvais contraste, c'est-à-dire si l'acquisition est mal faite. Donc, les gens insistent énormément sur cette étape. Alors, maintenant, je passe à la numérisation. Numériser une image, pourquoi nous voulons numériser une image ? C'est pour pouvoir la traiter par ordinateur. Donc, la numérisation est l'opération qui transforme les signaux analogiques capturés par une caméra en valeur numérique. Donc, nous, on capture un signal analogique qui est sous forme de signal et nous voulons le rendre numérique, c'est-à-dire en le discréditant, en faisant de l'échantillonnage. Donc, transformer l'image analogique continue en une image numérique discrète, ça s'appelle la numérisation. Et la numérisation, ce sont deux étapes. Il y a l'étape de l'échantillonnage et il y a l'étape de la quantification. Et l'une est différente de l'autre. Donc, on dit qu'une image est numérique, c'est une image qui est échantillonnée et quantifiée. D'accord ? Donc, pourquoi cherche-t-on à numériser les images ? Tout simplement pour les visualiser, pour les imprimer, pour les traiter, pour les stocker, pour les transmettre, etc. L'échantillonnage, c'est quoi l'échantillonnage d'un signal ? Donc, c'est le prélèvement régulier d'une information dans le but de son traitement ou de son enregistrement. Donc, le nombre de pixels, ça délimite le nombre, consiste à associer à chaque zone rectangulaire de l'image une valeur unique. C'est-à-dire quoi ? Nous avons un signal analogique. Moi, je ne peux pas stocker tout ça, d'accord ? Parce qu'il y a une infinité de points, c'est un signal continu. Donc, qu'est-ce que j'essaie ? De faire l'échantillonnage, d'accord ? C'est-à-dire, je prélève ce point, je prélève pas ces deux-là, je prends 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 6, 1 sur 8, d'accord ? Donc, la manière de faire cet échantillonnaire, non, c'est pas vrai. Vous êtes en retard et vous perturbez le cours.
pour votre arrivée comme ça en retard. Tâchez d'être à l'heure la prochaine fois. Madame, ça fait 15 minutes que j'attends. 15 minutes, nous on a commencé à 14h10. Et à chaque fois, je suis obligée de sortir de mon cours pour vous accepter. D'accord? Je m'excuse. Je vous en prie. Alors, donc je disais que c'était un signal continu, on ne peut pas le stocker. On ne peut pas le stocker, c'est-à-dire parce que c'est un signal continu. On fait un prélèvement, 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4. En tous les cas, il y a une règle, d'accord? Donc, on fait une fréquence, c'est-à-dire, vous savez qu'un signal est périodique, ou je m'arrête à périodique, ça veut dire qu'il se répète, d'accord? Et que la fréquence, c'est 1 sur T. Ça, c'est un peu des notions d'électricité, ou je ne sais pas quoi, que vous avez fait en électricité en terminale ou en première année MI. D'accord? Donc, la fréquence d'échantillonnage, c'est 1 sur T. Pour faire un bon échantillonnage, il y a un théorème. Le théorème de Shannon, il vous dit, il faut faire pour avoir un bon échantillonnage du signal, parce que quand je dis un bon échantillonnage, ça veut dire que je suis capable de restituer mon signal, parce qu'un échantillonnage, je fais un échantillonnage d'une image, à la fin, je fais un mauvais échantillonnage, je ne récupère pas une belle image, je récupère une image qui est pratiquement pas visible ou un truc comme ça. Donc, c'est très important. Respectez pas cette loi, qu'est-ce qui se passe par exemple? Il y a ce qu'on appelle le problème d'aliasing. Le repliement du spectre. Tout ça s'appelle en traitement du signal spectre. Ça veut dire si vous faites un échantillonnage avec une fréquence plus petite que 2 f max, vous allez une fois que vous allez reconstituer votre signal, vous avez le phénomène d'aliasing, c'est-à-dire il y a des échantillons qui n'appartiennent pas vraiment à votre signal. Ça veut dire que vous aurez des échantillons, par exemple, dans le sang. Au lieu d'avoir votre sang bien, vous avez un son, par exemple, aigu, quelque chose comme ça et tout. D'accord? Ça s'appelle l'aliasing ou bien le relâchage. Donc, pour éviter ça, pour pouvoir reconstituer bien votre signal, il faut échantillonner. Shannon a démontré un théorème qu'il faut l'échantillonnage, il doit être supérieur à 2 max. D'accord? C'est la fréquence maximale continue dans le signal. Ça, c'est l'échantillonnage. Maintenant, la quantification. C'est quoi la quantification? Moi, maintenant, j'ai prélevé mes points. Comment je vais les codifier? Sur 2 bits, 3 bits, 4 bits? C'est ça la quantification. C'est le nombre de bits, c'est-à-dire utilisé pour codifier un pixel. Et bien sûr, selon que ce soit en couleur, que ce soit du niveau de gris, que ce soit binaire, ce n'est pas le même nombre de pixels. D'accord? Madame, j'ai une question. Vous pouvez réexpliquer le théorème de Shannon? Voilà, شوف كيف اشتغل. احنا لو سينيال تاعنا سي كوا هايدا سي ان انصومبل كيما هادو واش معناتها رابليفو سي اون تريتمون رابليفو اون سيري كي قريت ماشي اون سيري اون ستركتور ماشين كي قريتو باغ اكزومبل لورلوج شوف لورلوج سيتي ان سينيال كاري كي سو ريبيتي داكور يل سو ريبيتي كيفاش شاك بيريود يتعاود داكور باسكو دونك هنايا سي لا ميم شوز هاد لو سينيال يتعاود داكور اي Donc, qui t'aoud, il a une période. Chaque période, il t'aoud. Où je m'attends une période? C'est le temps. Après chaque temps, il t'aoud, il t'aoud, il t'aoud. La fréquence, c'est quoi? C'est 1 sur T. C'est des notions d'électricité, l'électorant. D'accord? Ok. Où est-ce qu'il y a de Shannon? Nous, quand il y a on va prélever, par exemple, pour lequel, écoute, moi, tu as une matrice, par exemple, 100 fois 100, pour lequel, non, je ne peux pas la stocker. Dis-moi, il y a 50 fois 50. Qui va te dire? Tu dis, ouais, tu te lis, ou je te dis, ouais, tu te lis, là, t'as. Ma tradition est barque directe. Donc, on a les points qu'on décide de prendre. Qui fait ça? Elle a un canon, elle a un SS. Elle a un SS. Had Shannon, il a fait des prélèvements, etc. Il a remarqué que la fréquence d'échantillonnage inférieure à 2 fois la fréquence maximale du signal, il sera là. واش يصرى له كي نجيو نعاودوا نخدموا السينيال تاعنا باش نعاودوا باسكو كي تشوفوا هذا كي ناخد لي بون بوين نعاود نلصقهم هكا نعاود نجيب السينيال تاعي باغ انتربولاسيون باغ كونتخ كو كان ما نريسبكتيش هذا القانون يخرج لي باغ اكزومبل ان بوين هنا يخرج لي ان بوين هنا بعد نحن واش نروح ندير هكا نعاود نهبط هكا نطلع هكا بالك نطلع هكا تسمى جو ريستيتي با ما نريكيبيريش لو فري سينيال ديالي وهذا الفت يجوني دي بوين اون بلوس Ça s'appelle l'aliasing ou bien le repliement du spectre. C'est ça qui m'a respecté. Donc, il y a un théorème, traitement de signal. D'ailleurs, la partie, je l'ai détaillée pour les gens du M1. Par exemple, le module, on l'a détaillé un peu plus.
D'accord. Mais il y a toute une démonstration. Est-ce que c'est plus clair? Oui, merci, madame. Je vous en prie. Donc, une fois qu'on a prélevé ça, qui fait on va les stocker. Donc, parce que je sais que c'est beaucoup d'informations et en même temps, je passe rapidement dessus. Là, je me resitue. Après, échantillonnage spatial. N va désigner le nombre de lignes de l'image parce que voilà, j'ai un échantillonné. C'est pour avoir une matrice. C'est le but d'y aller. M, c'est le nombre de colonnes de l'image. D'accord. IJ, c'est les coordonnées spatiales d'un élément de l'image, ligne I, colonne J. Et bien sûr, la représentation matrice LTI, ce sera toujours dorénavant 0N-1 fois 0N-1. Elle dit Medet échantillonnage. D'accord. Par contre, après quantification, Ihjaden, vous me dérangez à chaque fois que vous arrivez en retard. La prochaine fois, je ne laisserai plus personne après 15 minutes de retard. Alors, après quantification, Adna F de IJ va représenter le niveau de gris du pixel, c'est-à-dire l'amplitude, hein, si on parle de signal. F, le niveau de gris. M, le nombre de bits sur lequel est codée la valeur des niveaux de gris. Tu faut dire que la quantification, c'est le M. C'est le nombre de bits sur lequel est codé. Qu'est-ce que je vais dire? 2, 4, 8, 32. Donc, je vais vous faire. L, par contre, si nous savons L, c'est quoi? Qui nous savons L, nous savons L. C'est quoi? C'est la dynamique de l'image. C'est-à-dire quoi la dynamique de l'image? Tout simplement, c'est l'intervalle min que peut prendre un pixel. Et c'est l'intervalle constitué de la valeur min que peut prendre un pixel et de la valeur max que peut prendre un pixel fait de l'image. Il y a la dynamique. L'essentiel, le L, ça sera 2 puissance M. Ça veut dire, voilà, 2 puissance M. Imaginez, j'ai décidé chaque pixel quantifié sur 4 bits. Il y a des possibilités. Il y a 2 puissance 4, 16 possibilités. Lucan, par contre, a décidé de quantifier sur 8 bits. Il y a 2 puissance 8. Donc, je vais vous dire les possibilités dans les niveaux de degré. Si je commence M0, j'aurai toujours M0 jusqu'à 2 puissance M moins 1. M0 jusqu'à 255. Est-ce que je fais tout là? C'est clair? Oui, madame. Okay. C'est-à-dire la relation entre L et ce M. Ok. Alors, on a des exemples directement. Si M est égal à 1, si ma 2 puissance 1, ça veut dire deux valeurs, à 0, 1, c'est une image binaire. M égale à 8, c'est l'image au niveau de gris. Parce que le cas va varier de 0 à 257. Et bien sûr, elle est codée sur un octet. Elle est au tarifo automatiquement. D'accord. Donc, et par convention, c'est ma ranihna. Et ma ranihna, l'image de, binaire, c'est-à-dire 0, 1, ranihna. Ranihna avec 0, 255 ou un octet. Elle est des informations qu'on nous stocke et faire à ce qu'on. Ou noir, c'est 0, blanc, c'est 255. Qui est qu'on a dit M24? C'est-à-dire une image couleur, ça veut dire que je vais avoir les nuances, et bien sûr, l'image est stockée sur 3 octets. Donc, tout ma selon, j'ai une image binaire, je vais le stockage de la ou une image couleur, ça ne va pas être pareil, hein, le stockage de la. D'accord. Avec l'échantillonnage, regardez, le coin échantillonné serait 32 fois 32, je vais la restitution de mon image va être couché. J'augmente, c'est mieux, encore mieux qu'un haq 256. C'est encore mieux qu'un haq 600 fois 600. Mais où est-ce que je trouve le haq 600 fois 600? Et il y a le stockage, il y a la manipulation, il y a le temps, il y a tout ça. Et il y a le haq 32 fois 32, et couche bien et bien. On bat la quantification, si c'est un bit, ça veut dire que c'est du binaire, 2 bits. Regardez, un peu plus de détails. Il y a 6 bits ou 8 bits, plus de détails encore par rapport au hadith. D'accord? Elle dit donc l'échantillonnage, voilà ce que ça donne, la quantification, voilà, c'est deux champs différents. Ça veut dire numériser une image, hadi plus hadi, toujours. Mashi hadi bark, mashi hadi bark. D'accord? Ah, un exemple que je voulais vous donner pour vous montrer, parce que là, quand tu commences à être 4 bits ou 6 bits, 6 bits, mais quand tu as ce n'est pas évident de voir vraiment la différence. D'accord? Parce qu'on a des c'est-à-dire, si vous voulez, niveau de gris, ou la partie hadika, c'est le même niveau de gris, la partie du visage, le chapeau. Par contre, regardez dans des images médicales, là,
à 1 bit de niveau de gré chouch à l'anna, tu fais avec 8 bits, ça n'a rien à voir. Le quand j'ai segmenté Hadi, tu fais le bête de l'analyse. Non, oui. C'est bon, il y avait juste une latence. On a pas vu une nouvelle slide. Ah, d'accord. Donc, je voulais vous dire, ça veut dire si on quantifie à 1 bit, voilà ce que nous avons comme résultat. Si on quantifie avec 8 bits, regardez, et vous allez, l'importance va se voir quand on va faire de la segmentation. Je vous demande de me segmenter ça, vous allez me dire, madame, il y a 3 objets ou je ne sais pas quoi. Alors que si je vous demande de segmenter ça, alors là, ça n'a rien à voir avec ça. D'accord? Donc, vous voyez, et même Hadi, vous avez dit 4 bits et 8 bits, regardez, on a plus de détails ici. Regardez ces parties-là. Regardez ce blanc qui apparaît là. Là, il apparaît, c'est-à-dire par rapport à ça. D'accord? Regardez, il y a plus de, c'est-à-dire il y a plus de choses qui sont beaucoup plus claires qu'ici, d'accord? Ok. Donc c'est très une mauvaise quantification peut faire apparaître ce que nous appelons des distorsions dans les images. Une sous-quantification peut faire apparaître des faux contours. À détailler. Une sous-quantification peut faire apparaître des faux contours. Là, j'ai pas d'exemple vraiment bien précis. Ok. Est-ce que c'est clair? C'est bon? J'avance. Alors, du fait qu'on parle de numérisation d'image, maintenant ça va, on était au signal analogique, maintenant on a une matrice, on est content, on commence à voir tout ce qu'on peut faire avec cette image numérique. Bon, première propriété, c'est il faut connaître la moyenne. Ça s'utilise. La moyenne, ou ce qu'on appelle, on appelle aussi la luminance ou la brillance d'une image qui est définie comme étant la moyenne des pixels dans l'image. Donc, c'est une double somme de tous les pixels, du niveau de gris de tous les pixels, sur bien sûr la dimension de l'image. Le contraste, là il y a beaucoup de formules, il y a beaucoup de formules pour le contraste, mais Hadi, il y a cette formule qui est très utilisée, c'est le max de Fij moins min de Fij sur le max plus la ra, d'accord? Donc le contraste, j'ai dit qu'il peut être défini de plusieurs ra, et que deux images totalement différentes, à cause de cette écriture, peuvent avoir le même contraste. Parce qu'il s'agit de sommer les moyennes, les mines et les max. Donc ça, c'est une façon de calculer le contraste. Donc, la luminance, le contraste. Regardez, par exemple, voilà deux images, Hadi, contraste 1 et contraste toujours 1, et pourtant, ce sont des images différentes. D'accord? Est-ce que c'est clair pour que je passe aux histogrammes? Non. Ça va? Oui, par contre, où on va utiliser la luminance ou le contraste, par exemple? Le contraste, on va maintenant justement, c'est deux choses. La luminance et le contraste, c'est deux informations, les premières informations à laquelle on s'intéresse quand on a une image. D'accord? Surtout le contraste. Parce que justement, l'amélioration d'image, où je m'attends le contraste, c'est quand elle est fade, je dirais. Une image est fade. Je vous demande de m'analyser une image fade. Vous ne pouvez pas déterminer les contours, vous ne pouvez pas délimiter les régions, vous ne pouvez pas la segmenter. Donc, la première chose qui vous vient en tête, c'est de rehausser le contraste. D'accord? Donc, et vous allez voir, avec les histogrammes, quand on arrive à rehausser les contrastes. D'accord? D'accord. Ok. Justement, l'histogramme. C'est quoi un histogramme? L'histogramme, c'est un outil que nous avons ramené des statistiques. Un histogramme, il décrit la répartition des pixels d'une image en fonction de leur niveau de gris. Il nous donne des statistiques sur le niveau de gris. C'est-à-dire, mon image, elle contient 20 pixels noirs, 50 pixels blancs, 30 pixels à niveau de gris 110. C'est des statistiques, d'accord? Donc, l'histogramme décrit la répartition des pixels d'une image en fonction de leur niveau. Pour chaque niveau de gris, on compte le nombre de pixels possédant ce niveau de gris. L'histogramme donne des informations particulière à une image telle que la distribution statistique du niveau de gris et bien sûr les bornes. Et vous allez voir pourquoi ça c'est important, les bornes de répartition. Parce que quand on voit les bornes de répartition de niveau de gris, on tire rapidement des conclusions. Ah, c'est une image foncée. Ah, c'est une image mal contrastée. Grâce à les bornes. Vous les bornes, RIA, c'est quoi? C'est Hadi. C'est ça, c'est la dynamique d'une image. C'est le min et le max. D'accord. Mais aucune information spatiale. Les histogrammes, malheureusement, d'une image, si je prends deux images, par exemple, dans laquelle il y a l'objet 1, ensuite l'objet 2,
et que je fais son histogramme. Ensuite, j'intervertis les objets, c'est le même histogramme. C'est ça le point faible des histogrammes. Il ne tient pas compte de la répartition spatiale dans l'espace des pixels. D'accord ? Niveau de gris, point, c'est tout. OK ? Donc, je pourrais dire que les histogrammes sont fréquemment utilisés pour l'amélioration d'image, qui consiste à modifier les caractéristiques visuelles de l'image de manière à en faciliter son interprétation par l'œil. Donc, nous, on utilise les histogrammes pour améliorer les caractéristiques visuelles. Nous allons voir comment. Il peut s'agir de rehausser les contrastes, d'accentuer certaines intensités pour mettre en valeur une région. Et il est également utilisé pour la segmentation. Oui, je pourrais dire que la luminance, c'est d'une manière générale. Mais quand j'ai des images couleurs, c'est différent la luminance, d'accord ? C'est la quantité, à vrai dire, c'est la quantité. Mais quand il s'agit de niveau de gris, c'est sûr, il n'y a qu'une seule, c'est-à-dire il y a une luminance. Mais quand on a, par exemple, les images couleurs, on a d'autres, il y a Hue et HSV, par exemple, etc. C'est-à-dire, plus que le RGB, il y a la notion de la saturation, de luminance et de la teinte qui vont déterminer la qualité d'une image. D'accord ? C'est-à-dire. Donc, il est également utilisé pour la segmentation. Mais quand il s'agit d'une image noire et blanc, c'est sûr que la luminance ne veut dire qu'une chose, c'est la lumière. Alors, voici un histogramme d'une image, vous voyez, pour chaque pixel, 1, 7 ans, 2, etc., etc. Hagda, regardez, c'est pour ça que je vous dis l'histogramme nous donne des informations. Voilà une image noire, son histogramme. Dès que je vois un bâton comme ça, je dis, ah, c'est une image monocouleur. Monocouleur. Il y a un seul niveau de gris. Et selon la valeur, je saurai. D'accord. Là, je vois deux barres. Ah, il y a deux couleurs. La segmentation, là, elle est facile. Vous voyez, parce qu'elles sont bien délimitées. Je prends ce pic, et c'est bon. Vous voyez une image comme ça, j'ai plusieurs. C'est vrai que j'ai deux pics. Ada, il dénote un peu le blanc, hein, tout ce blanc qu'on voit, pratiquement, d'accord, sur un intervalle. Et Ada, le noir, mais entre les deux, on a quand même des niveaux de gris. Donc, vous voyez, l'histogramme nous renseigne, nous donne quand même des informations. L'histogramme peut donner des renseignements rapides sur une image. On peut faire la distinction entre une image trop foncée et une image trop claire. À votre avis, cette image, elle est foncée ou elle est claire? Ah. La première réponse est vu qu'il y a plus de pixels qui se rapprochent du zéro, du noir. Voilà, et la deuxième? La deuxième, c'est le contraire, elle est plus claire. J'essaie de venir. Non, attendez. C'est de revenir. Qu'est-ce que... Non. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Je veux revenir. J'arrête la diapo pour vous montrer le résultat. Bon. Vous pouvez me croire. Donc, c'est effectivement, comme l'avait souligné votre camarade, ça, c'est une image foncée. Pourquoi? Parce que tous les niveaux de gris sont là, la plupart des niveaux. Et là, c'est l'inverse. Donc, elle dit, c'est une image qui est plutôt claire. Et celle-là, c'est une image qui est plutôt foncée. Maintenant, nous allons parler de ce que nous appelons un histogramme cumulé. Et pourquoi? C'est pour pouvoir faire des choses. Je vous le dirai à la fin. Donc, l'histogramme cumulé, c'est quoi? Il associe à chaque niveau de gris le pourcentage de pixels qui sont au moins aussi sombres que lui. Donc, on aura un petit pourcentage, bien sûr, pour la valeur 0 et le 100% pour 2 ou avant. Donc, cela dépend, bien sûr, du niveau de gris maximum de 1. Étant donné, par exemple, une image comme ça, voici les niveaux de gris. Par exemple, l'histogramme 1, allez, pour le niveau de gris 0, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous pouvez me croire, il y en a 24. Pour 1, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12. Pour le 2, il y en a 28. C'est l'histogramme. Par contre, ça s'appelle l'histogramme cumulé. L'histogramme cumulé, ça veut dire, bien sûr, pour 0, il restera 24, mais pour le 1, je vais compter je vais compter le nombre de pixels qui ont le même niveau de gris, ou bien, c'est-à-dire inférieur ou égal, voilà.
Donc, les valeurs sont en fonction de quoi? C'est des niveaux de gris. Par exemple, là, je fais avec une image. Voilà. Le blanc, par exemple, c'est ici, c'est le clair. J'ai décidé que ce soit le 2. Regardez, tout ça, c'est le 2. Le noir, c'est le 0. Regardez-le. D'accord? Les valeurs de l'histogramme sont en fonction de quoi? Elle pose la question, sont en fonction de quoi? J'ai dit que c'est des valeurs de gras, c'est-à-dire le nombre de pixels qui ont le niveau de gris. Par exemple, ici, nombre de pixels qui ont le niveau de gris 0. Vous les comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. D'accord? Par contre, le 1, vous aussi vous comptez. Un accumulé, c'est... Attendez, je vais lire les questions. Nombre de pixels, donc la valeur, donc les dernières valeurs sera toujours au nombre de pixels. Ça veut dire, oui, à la fin, là, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 8, 64. OK? Bien sûr. Donc, là, je cumule et je cumule, c'est tout. C'est-à-dire, à chaque fois que je suis à un niveau de gris, je vais compter ce qu'il y avait ici, au lieu de dire... Comme ici, c'est 12. Non, c'est 12 plus 24. Arrivé au niveau de gris 2, je dis c'est 30, je dis que c'est 36. Non, ce n'est pas 36. Je vais dire que c'est 12 plus 24 plus 28. Ça me donnera 64. D'accord? Inférieur ou égal? Là, je suis à 30. Oui. Non, on n'a pas 64,2. Ah non. Ah oui. 8 sur 8, ça veut dire que vous avez une matrice de 64 positions, de 64 valeurs, bien sûr. OK. Et qui sont, bien sûr, il n'y en aura pas une valeur qui est inconnue ici. Toutes les valeurs sont définies. La 1 ou 0, la 2, ce que vous voulez. Alors, je lis la question. Donc, la dernière valeur se trouve... Oui, ici. La dernière valeur sera le 64 parce que ça s'appelle cumulé. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, Adam, c'est clair. OK. Hadagar Beshnahasbou, vous allez voir quand on va faire la correction, on va utiliser l'histogramme cumulé, justement, pour rehausser. J'ai parlé d'histogramme normalisé. J'ai parlé d'histogramme cumulé. Maintenant, je parle aussi d'un histogramme qu'on appelle des fois normalisé ou bien on appelle aussi histogramme, étirement d'histogramme ou bien expansion de la dynamique. Ça, c'est le premier traitement. Qu'est-ce que nous appelons expansion de la dynamique ou bien étirement de l'histogramme? Étirement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un histogramme bien serré. Malheureusement, je n'arrive pas à vous montrer avec mes doigts. Un histogramme bien tiré, ça veut dire que vous avez toutes les valeurs là, il y a l'étirement. Par exemple, histogramme takumib damina tellana. La plupart des valeurs sont là. Il est étroit ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire, Hnaya, quand vous voyez un histogramme dont la plupart des valeurs sont ici? Où est-ce que l'automa? Ça indique quoi pour vous? Ça vous donnera quoi comme image? Le contraste est faible, madame. Voilà, un mauvais contraste. Les valeurs, elles sont là, elles sont presque confondues. Presque confondues, quand même. Donc, où je mets l'étirement? L'étirement, c'est tirer la main et tirer vers là. Donc, l'étirement, c'est une méthode pour améliorer le contraste d'une image. On utilise, pour améliorer le contraste d'une image, on utilise ou bien l'étirement, ce que nous appelons aussi expansion de la dynamique, ou bien nous allons utiliser l'égalisation d'histogramme. Un afflicef, l'étirement. L'étirement, où je mets, consiste à normaliser le niveau de gris entre 0 et 255. De manière à ce que la valeur d'intensité la plus faible soit à 0 et la plus grande soit à la valeur maximale. De cette façon, si les valeurs de l'histogramme sont très proches les unes des autres, l'étirement va permettre de fournir une meilleure répartition. L'étirement, le but théorique, c'est de fournir une meilleure répartition afin de rendre les pixels clairs encore plus clairs et les pixels foncés proches du noir. Bon, tout ce blablabla, ça veut dire quoi? Si nous avons une image dont les niveaux de gris sont compris entre deux valeurs A et B qui sont assez serrées. Par exemple, entre
100 et 100 et 200. C'est peu. Alors que moi, j'ai 0 à 255. Qu'est-ce que ça veut dire, l'étirement? Je vais les transformer de manière à ce que mes niveaux de gris, ils vont dorénavant entre 0 et 255. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, ça veut dire quoi, l'étirement? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. D'accord. Ça veut dire que c'est un changement. C'est comme si vous dites un changement d'échelle, mais ce n'est pas d'échelle. Ça veut dire que je vais appliquer des règles de 3 de manière à cliquer un 10 et le 0. L'ICANF 150 et 255, et bien sûr, les valeurs intermédiaires, ils te mettent de l'eau. D'accord? J'appliquerai une règle de 3. Un exemple, je vais te donner un exemple. Donc, ceci, j'ai dit, est intéressant, notamment pour des images sans, mais l'inconvénient, c'est vrai qu'on améliore le contraste, mais où nous, même, rappelez-vous le bruit, l'ICANF, le il va subir le rehaussement, etc. D'accord. Donc le bruit, on va encore l'amplifier. On va encore amplifier. Bon, votre camarade m'a demandé un exemple. Voilà, je vais regarder. Il y a un histogramme qui est bien serré. Les valeurs actuelles, elles varient entre 100 et ben, 170 ou là, je ne sais pas, 190. Je vais zoomer. Ça doit être 190 ou quelque chose comme ça. L'essentiel, il est bien serré là, vous voyez. Hada, ça veut dire, il représente, qui m'a une image très sombre. D'accord. L'image, est-ce que vous arrivez à la voir? Elle n'est pas claire pour vous, non? Non, madame, c'est tout noir. C'est l'image, elle est belle comme. Cette image, c'est celle-là. Je ne sais pas comment faire. Voilà, cette image, c'est celle-là. Ça, regardez où sont les valeurs, le A et B. Il est là. C'est presque gain noir, d'accord? Donc, si je lui fais un étirement, si je fais un étirement par-ci, par-là, changement, had les valeurs de min et max, نرجعهم entre 0, هنا رجعتهم برك entre 0 et 192, regardez déjà l'amélioration. C'est ça l'expansion de la dynamique. Est-ce que c'est clair? Écoute, tu vois l'histogramme qui fait chier. OK, je répète. Regardez bien votre écran. Est-ce que vous voyez cette image? Hadi, ce que je montre avec la souris. Elle est presque. On ne peut même pas savoir de quoi il s'agit. Elle est noire, etc. Elle est noire, ça veut dire quoi? La plupart des niveaux de gris, je vois moins rare. Je vois, là, je suis à 64. Hein. Donc, bien avant. Toutes les valeurs sont presque entremêlées. Entremêlées, bien être. D'accord? Qu'est-ce que c'est que l'étirement? L'étirement, non, utilisez tous les niveaux de gris. Allez, j'ai comme zéro, comme bien 10 ou 50. Donc, l'étirement, c'est la valeur à distraire entre le maximum, ou la valeur, plutôt, la valeur qui vient dans ce sens, ou la valeur serrée entre dans ce sens. Bien sûr, en effectuant une règle de 3, mais j'ai acte d'abord. C'est que les niveaux de gris vont subir une opération. D'accord? Regardez le résultat. Qu'est-ce qui va se passer? Chauffe-eau. Comment les valeurs ont changé? Et bien sûr, voilà le résultat. Est-ce que c'est pas clair? Je vous montre un autre exemple. Oui, c'est clair, madame. Une transformation linéaire. Une transformation linéaire pour que je puisse utiliser bien la dynamique. Pardon, pour utiliser bien la dynamique de l'image. Voilà. Pardon. Voilà. J'ai une image. Elle est entre A et B. L'étirement a pour but d'utiliser tous les niveaux de gris en faisant une règle de 3. Je vais en venir hein, pour la règle de 3. D'accord?
OK, Adamek. Et bien sûr, moi, si j'utilise, au lieu d'utiliser entre 10 et 40, moi, j'utilise entre 0 et 205, les choses seront beaucoup plus claires. Donc, ça, c'est une méthode de, d'améliorer les images. Quand est-ce que cette méthode, j'anticipe un peu le cours, n'apportera pas son fruit, comme on dit, ne va pas faire grand-chose. Quand est-ce que l'étirement n'est pas utile? Qui compte A ou B déjà 0, 205? Voilà, c'est quand on, c'est-à-dire on ne dit pas quand A est à 0 ou la 205, on dit quand on occupe toute la dynamique. C'est-à-dire on a occupé tous les niveaux de gris. C'est bon, on ne peut rien faire. Faites une transformation ou pas, ça ne changera absolument rien. À ce moment-là, on passe à une autre méthode. D'accord? OK. Donc, voilà. Donc, j'ai fait tout ça pour pouvoir améliorer le contraste d'une image. C'est pour pouvoir faire cet étirement. Donc, pour faire cet étirement, si vous voulez, les opérations que nous, bon, nous avons un histogramme, AOBIC, soi-disant entre 0 et 255, on ne sait pas les valeurs. On commence déjà à calculer un peu, là, si vous voulez, la probabilité des, pour chaque nombre de pixels, pour chaque bin de mon histogramme sur n fois m, c'est n et m. C'est le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Ensuite, je fais un histogramme cumulé, d'accord? Je fais un histogramme cumulé et normalisé, d'accord? À ce moment-là, je peux faire mon extension de la dynamique. Comment je vais la faire? Elle est utilisée, comme j'ai dit, pour améliorer le contraste. J'ai une valeur min, j'ai une valeur max, d'accord? Améliorer le contraste, ça veut dire décerner les détails invisibles. À ce moment-là, j'applique pour le rehaussement, j'applique cette formule. L'IA 255 sur Smax moins Smin fois IJ moins CSmin. Il y a la règle de 3. D'accord? Bon, là, j'ai mis 250, c'est-à-dire, ça se démontre. Hein. C'est une formule qui ne se démontre pas, on ne l'a pas trouvé comme ça. J'ai utilisé 255 pour vous dire je vais utiliser tous les niveaux de gris. D'accord? Donc, à ces pixels-là, quelque chose qui est serré, vous allez lui appliquer cette formule, vous aurez de nouveaux niveaux de gris et bien sûr qui vous donnera un déclinage clair. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui, madame. OK. Donc, voilà ce que ça donne. J'applique la règle de 3 à tous ces niveaux de gris, à de la règle, et j'obtiendrai ça. Et j'aurai une meilleure image. Ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, ce traitement se trouve être vraiment significatif pour l'image dont l'histogramme est resserré, comme le montre l'exemple précédent. L'étalement de cette dynamique permet de discerner des détails invisibles sur l'image originale. Remarque, dans le cas où l'histogramme initial occupe toute la plage de la dynamique, aucun changement ne sera visible. C'est tout à fait normal, parce qu'on a tout utilisé. À ce moment-là, on se dirige vers une autre méthode que nous appelons égalisation d'histogramme. C'est-à-dire là où l'étirement ne fonctionne pas, l'égalisation, elle fonctionne. C'est quoi l'égalisation d'histogramme? C'est une méthode aussi d'ajustement du contraste d'une image numérique. L'égalisation d'histogramme a pour but de répartir uniformément les pixels dans chacun des niveaux. Idéalement, on cherche à avoir le même nombre de pixels pour tous les niveaux de 0 à 255. C'est-à-dire nous voulons ce qu'on appelle un histogramme plat. Regardez une image qui est mal contrastée, d'accord? Voilà, si on lui fait une égalisation, voilà ce que nous obtenons. Voici aussi une image Hnaya, regardez, Hnaya, c'est un peu serré, d'accord? Si nous faisons une égalisation, on répartit d'une manière bien comme il faut, pas bien comme il faut, d'une manière, il y a une méthode pour cela. Nous aurons une image, regardez, elle est meilleure que celle-là, d'accord? L'égalisation d'histogramme est donc un procédé pour lequel on force tous les niveaux de gris de l'image à être plus ou moins équiprobable, même nombre de pixels. Donc l'égalisation d'histogramme peut améliorer une image là où la correction, l'étirement avec de la dynamique est inefficace. Le résultat est une augmentation globale du contraste de l'image. Donc voici les étapes à suivre pour l'égalisation d'une image. Nous calculons. Nous avons un histogramme, nous calculons la probabilité, c'est-à-dire pour chaque
Voilà, pour chaque truc de bin, de l'histogramme, nombre de pixels, nous allons calculer HI sur N fois M, la dimension. Nous allons faire l'histogramme cumulé, d'accord? C'est la somme de tout ça, ok? Ensuite, pour avoir la nouvelle valeur, ça sera c'est F de XY multiplié par, par 255, d'accord? C'est HI, d'accord? Enfin, 255. Par exemple, si nous avons 60% des pixels de l'image, sans plus sombre que le niveau de gris, c'est compte, d'accord, 60 pixels, ce qui signifie que l'image contient beaucoup de pixels 100, on remplacera tous les pixels portant la valeur 50 par la nouvelle valeur, ça sera 0,6 fois 255. Et on aura, khlas, on ne va plus traîner le niveau de gris 50, il va être remplacé par 153. D'accord? C'est des transformations à faire. Oui, le bruit, c'est une autre affaire. C'est pour ça que beaucoup de gens, des fois, avant de faire l'histogramme, ils passent un filtre pour enlever le bruit, etc., etc. Ouais, le bruit, c'est un vrai problème, d'accord. Et c'est pour ça que très souvent, en traitement d'image, vous ne pouvez pas donner une formule à quelqu'un. Il vous dit, moi, j'ai une mauvaise image, etc. Vous allez lui dire, faites ceci, cela, cela. D'une image à une autre, le traitement va être différent. Il faut essayer. Il faut essayer ce qu'il faut faire, il faut enlever le bruit, ensuite faire ceci ou là, faire l'égalisation d'histogramme ou là faire cela ou là changer ceci, plein de traitements ou bien faire des... Mais elle qui aime pas mettre d'opérations. Là, je suis en train de parler des opérations sur les images, j'ai commencé par l'histogramme. C'est-à-dire, il n'y a pas un chemin, ça dépendra de l'image. Donc, l'essentiel, ce que vous devez retenir, c'est que pour améliorer le contraste, on utilise l'histogramme. Il n'y a pas une autre méthode. Et dans cela, il y a deux méthodes. Il y a l'étirement et il y a l'égalisation d'histogramme. Voilà ce qu'il y a. Et tout ça a pour effet de rehausser le contraste dans les zones très sombres de l'image ou la trop claire ou la hadja. Voilà si on prend par exemple d'ailleurs la même image, regardez, qui est sombre, elle est très claire. Elles sont différentes. Et pourtant, si vous appliquez l'égalisation d'histogramme, regardez, ça vous donnera exactement presque l'image identique. C'est ça le but de l'égalisation. Qu'elle soit sombre, qu'elle soit claire, on vous donnera quelque chose de meilleur, de plus clair, etc. Visuellement, bien sûr. Alors, juste pour terminer avec l'histogramme a des caractéristiques très importantes. Au-delà de l'amélioration du contraste, on l'aime bien parce qu'il est invariant au changement d'orientation, de taille aussi. Rappelez-vous, quand on a fait le premier chapitre à la fois passée, les défis de la vision par ordinateur, c'est le changement, c'est l'orientation, c'est le changement d'essai, c'est le background. Les gens aiment bien l'histogramme parce que vous lui donnez une image, vous faites subir à votre image 90 degrés, vous calculez les histogrammes, c'est les mêmes. Alors imaginez, par exemple, le tracking. C'est bien. Vous traquez quelque chose, même si avec l'objet, il a subi une transformation, une rotation là, vous allez le traquer. La même chose quand vous faites de la recherche d'images par de contenu, vous cherchez des objets ou là. Même s'ils sont sous une autre, ils ont subi une rotation, c'est bon. Même la taille d'échelle, ça c'est bien. Par contre, il ne donne aucune information sur les relations spatiales entre les objets. D'accord ? Il est invariant à l'échelle, à la rotation, mais pas... ne donne aucune relation sur le truc spatial. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Oui, madame. Vous m'avez envoyé un message que je n'ai pas bien saisi. Vous m'avez déjà envoyé comme quoi je devais vous envoyer les cours ou bien les informations à MIV 2021 ou quelque chose comme ça. Pourquoi c'est-à-dire le délégué, je m'adresse au délégué ou là à vous, je ne sais pas qui m'a envoyé avec le message que j'ai reçu ce matin, très tôt. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce message? Qui l'a envoyé, je suppose, c'est le délégué, non? Oui, madame, elle est absente, la déléguée. Madame, c'était juste une question de... c'était pour envoyer bien les profs et un petit qu'on a déjà fait, du coup, Et parce que j'ai rien compris, je me suis dit que... Parce que moi, je vous envoie, c'est-à-dire à la fin de chaque chapitre, je vous l'envoie. D'accord? Est-ce que vous avez commencé les TP et les TD? Oui, madame. Newman.
Vous avez commencé avec Madame Sutitra, le TD? Oui. Vous et le TP, mademoiselle, jeudi, Inch'Allah. Ah, d'accord. Vous êtes deux groupes, Wakilan, non? Pour l'instant, on n'a pas de liste, mais d'après l'année passée, on est deux groupes. Parce que vous avez, il me semble que vous avez deux enseignants, d'accord? Donc, l'essentiel, il faut me tenir au courant, d'accord? D'accord, madame. Chiboub, c'est maintenant que tu arrives, le cours est terminé, Chiboub. Problème de connexion, madame. On va cotiser, on va t'acheter la 4G. Ok, d'accord. Alors, si vous n'avez pas de questions, donc j'arrête le cours ici. Et c'est une heure qu'on fait en même à distance. C'est ce qu'on nous a dit. Pardon. Oui, madame. Ok. Donc, voilà. Ok. Si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là. D'accord, merci, madame. Je vous en prie. Au revoir. Allez, bon courage. Merci, madame. J'ai bien aimé. Merci. Bonne journée.